Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le logiciel Dolibar, ERP et CRM. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module de gestion des congés dans Dolibar. Prérequis. Activez le module congé du menu Accueil, Configuration et Module. Accordez à l'utilisateur les autorisations sur le module. Pour des informations plus avancées sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo « Utilisateurs, groupes et autorisations ». Demandez un congé. Le module « Congé » est disponible sous le menu GRH et est utile pour gérer les demandes de congés des employés. Les employés peuvent demander des congés en cliquant sur le menu « Nouveau ». L'option de menu est disponible à condition que l'utilisateur ait l'autorisation appropriée pour le module « Congé ». Le solde de congé actuel est affiché en haut à titre de référence. Choisissez l'utilisateur pour lequel la demande de congé est déposée. Si vous êtes un chef d'équipe ou un administrateur, vous pourrez choisir un utilisateur qui est votre subordonné. Choisissez le type de congé pour lequel vous souhaitez déposer une demande. Choisissez une date de début et une date de fin, ainsi que les demi-journées, au cas où vous ne demanderiez pas un jour de congé complet. Choisissez l'utilisateur qui approuvera votre congé parmi ceux autorisés. Vous pouvez utiliser le champ de description pour fournir toute information supplémentaire. Cliquez sur le bouton « Créer une demande de congé » pour enregistrer la demande de congé. La demande de congé est maintenant à l'état de brouillon. Le menu des fichiers joints vous permet d'ajouter des pièces jointes si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, soumettez votre demande de congé en cliquant sur le bouton « Valider ». Flux de travail d'approbation. Les demandes de congé ainsi créées et soumises pour approbation seront en attente d'une action dans le tableau de bord des responsables hiérarchiques ou de l'administrateur concerné. Le supérieur hiérarchique ou l'administrateur peut maintenant examiner la demande de congé et prendre les mesures appropriées telles que l'approbation ou le refus. Une fois qu'un congé est approuvé, le solde de congé disponible est automatiquement mis à jour. Consultation des congés et mise à jour du solde des congés. Utilisez le menu approprié pour consulter la liste des congés. Ils peuvent être révisés en fonction du statut de chaque congé, comme par exemple brouillon, en attente d'approbation, approuvé, annulé et refusé. Les administrateurs ou responsables RH peuvent cliquer sur « Solde des congés » pour examiner le solde des congés disponible pour chaque employé. Pour mettre à jour manuellement le solde des congés de n'importe quel employé, il suffit de remplir les jours, d'ajouter une note si nécessaire et de cliquer sur « Mettre à jour » pour mettre à jour le solde de congés. Notez que si vous configurez plusieurs types de congés avec des compteurs différents, vous pouvez avoir plusieurs colonnes avec des valeurs différentes sur cette page. Le relevé mensuel donne une vue d'ensemble graphique de tous les congés sur la base d'un mois et d'une année au choix. Le journal des modifications enregistre et fournit le détail de toute modification apportée au solde de congé de tout employé. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées à partir de la configuration. Ainsi, comme la plupart des modules de Dolibar, vous pouvez aussi ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos congés, définir des valeurs par défaut ou obligatoires, et vous pouvez utiliser le module d'exportation pour exporter la base de données des congés. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus.